Bienvenue à tous sur Cabal Vision pour une session de Blood Bowl de folie! De folie, on vous dit! De folie, il nous dit! Eh oui, salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, enfin ce premier épisode de Blood Bowl 2. Après la vidéo de présentation, j'espère qu'elle vous aura plu, hein. C'est la première fois que je fais ça, donc ne m'en voulez pas si c'est pas au top. La prochaine fois, j'essaierai de faire mieux pour un autre jeu, on ne sait pas ce que c'est. Et aujourd'hui, nous allons faire la campagne. Alors, une nouvelle campagne, parce que... Oui, bienvenue, merci. Puisque j'ai déjà commencé, j'espère en fait. J'espère que votre boule de cristal est chargée à bloc. Sinon, dégotez-vous un sorcier et enchaînez-le pour de bon, vu que la saison 2513 promet un sacré spectacle. Pas vrai, Bob? Et comment? Oh, d'ailleurs, en fer, Jim! Quoi? En fer? Les chaînes, Jim! Des chaînes en fer pour l'enchaîner, ton sorcier! Y'a pas mieux! C'est plus dur à enchanter que la scie ou l'argent! En passant, faudrait aussi lui briser les phalanges! Oui, oui, merci, Bob! On y reviendra peut-être un peu plus tard. Entre-temps, avis à tous les amateurs de sport! Restez avec nous sur Cabal Vision HD pour plusieurs heures de retransmission! On ne va pas s'ennuyer! C'est pas vrai, hein, y'a pas plusieurs heures, y'a que quelques minutes. Nouveaux téléspectateurs qui nous rejoignent pour la première fois. Hein? Comment décrire une partie de Blood Bowl à quelqu'un qui n'en a jamais vu de sa vie, Bob? D'abord, je lui demanderai dans quel trou paumé des royaumes du chaos il a bien pu vivre. Ensuite, je lui dirai que c'est un sport violent, où deux équipes doivent aplatir une vessie de porc, le ballon, dans l'embut adverse pour marquer un touchdown. Tous les moyens sont permis. Le truc, c'est qu'il n'y a qu'un seul ballon, et l'équipe adverse tente de faire pareil que vous. Une partie dure demi-temps de 8 tours. L'équipe qui marque le plus de touchdowns l'emporte. Bien résumé, Bob. Parlons un peu des équipes en magnifique. La saison promet d'être passionnante, surtout en ce qui concerne les Reckland Rivers. Voilà pourquoi. Jetons un coup d'œil à ce qui s'est passé pendant leur dernier match de la saison dernière. Allez, jetons un coup d'œil. Donc, évidemment, aujourd'hui, ce sera surtout... des cinématiques telles celles-ci et très peu de jeux, mais bon, on commence, hein, c'est le début de la campagne, c'est normal. La saison dernière, les Rivers contre les Kukai. Regardez-moi ces imbéciles d'humains. Pourquoi ils bougent pas? Un sort d'immobilisation. Ils auraient pu le contrer, non? Regardez le numéro 16, Josh Kesherlu. Oh là là, ça arrive. Plus fort qu'une dérouillée. Fichez-moi rien. Ils n'ont pas semblé très vifs. Ce troll a attaqué, n'est-ce pas, Bob? Tu l'as dit! Pas étonnant qu'ils aient encaissé 20 défaites de suite! De la violence! De la violence! Les supporters commencent à leur... Ah, les crampons! Ah, ça fait mal! La apparition publique des Rivers. Une prestation à l'image des 10 saisons de déclin. Donc voilà, nous sommes les Rivers. Et ça, c'était notre ancienne équipe. On va devoir tout recréer, puisque eux se sont fait déchiqueter. J'arrive pas à comprendre. La rumeur court que Gigi Griswell Jr., le propriétaire, n'a plus de quoi les remplacer. Ah, ce bon vieux Griswell! À une époque, on le disait plus riche que toi, Jim! Il en est réduit à racler ses fonds de tiroir après avoir versé des salaires vertigineux à des joueurs comme Griff Oberwald pendant plusieurs décennies! Il faudra donc qu'il s'en remette au rebut de la saison dernière! Bref, voyons comment ils s'en sortent dans ce match de pré-saison! Ah, voilà. Donc on va faire quelque chose. Vous venez d'être nommé à la tête des légendes Reckland Rivers. Votre mission commence par un match test d'intersaison contre les Siegfriedersdorf Tessen. Voilà. Donc, ok. Donc, posez-vous face. Ok. Marquez un touchdown pour pousser l'équipe adverse au forfait. Ah les gars, ils abandonnent dès le premier touchdown. Très bien. Leur épingle du jeu, Bob. C'est leur premier match sous la houlette d'un nouveau coach. Une rencontre amicale de pré-saison. Au Blood Bowl, il n'y a pas de match amical qui tienne, Jim. On défonce tout. Amical. C'est un coup à finir au tribunal pour insulte aux bonnes mœurs. Ok, voyons ça de plus près. Voyez comme ils sont sympathiques, hein, ces présentateurs magnifiques. Vous êtes avec nous sur Cabal Vision HD.
temps est au beau fixe. Parfait pour jouer au Blood Bowl, comme tu dirais. Parfait, c'est chiant. C'est le genre de match que j'adore. Avec un tel écart de niveau, on court au massacre pur et simple. Comment ça, un tel écart de niveau? Mais tu vas voir, moi, je vais réduire cet écart, là, tu vas voir. Bon, voici mes joueurs, hein, magnifiques, ils sont tellement beaux. Contre des vieux. Des vieux? Et un pirate. Et un roux. Ah, très bien. Ils ont le droit de jouer les roux. Mais... je n'ai rien contre les roux. Attention. On a compris. Ouais. Attention, le gnome lance les dés et... hop. Mais j'ai pas choisi... C'est une équipe d'humains qui est en lice pour ce match. Il touche un peu à tout, mais question spécialisation, c'est zéro. D'accord, donc il a lancé la balle et aujourd'hui, je suis Ahmed Zwimor, l'ancien coach des Rivers, et je vais t'épauler durant ton initiation. Pour t'aider un peu, j'ai fait jouer mes relations et les premiers matchs suivront des règles simplifiées. Blood Bowl est un sport stratégique et tout commence par un bon positionnement de tes joueurs. Chaque joueur a une caractéristique mouvement qui indique le nombre de cases qu'il peut parcourir. Alors ça paraît très chiant, mais au fond, hein, c'est très bien. Franchement, je m'amuse beaucoup. À chaque tour, chacun de tes joueurs peut accomplir une action. Pour déplacer la caméra, utilise les flèches directionnelles du clavier ou déplace-les à la souris au bord de l'écran. Ou ZQSD aussi, hein, ça marche. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre la balle. Est-ce que... ah non, c'est impossible. Là, sur le banc des Rivers, ne serait-ce pas le légendaire... c'est le légendaire Edge Coach. Oui. Mais c'est bien lui, Jim. Tu n'étais pas au courant? Pour rendre service à Gigi, Swimmer est sorti de sa retraite pour conseiller le nouveau coach. C'est gentil. Heureusement qu'il est là parce que sinon je sais pas quoi faire. Et de ce fameux incident qu'il avait poussé dehors. Tu veux parler de cette histoire de 2504 impliquant un duo de halflings de la confiture? Mais taisez-vous, je veux jouer! Merde. Un incident regrettable. Rien n'a jamais été prouvé, cela dit. Même à la retraite, Helmut est resté un fidèle allié des Rivers. Une chose est sûre, il a de la bouteille, Bob. Le nouveau coach ferait bien de l'écouter. Oui, bah je vais l'écouter, il est en train de me parler, là. Mais vous m'avez interrompu, les gars. En cliquant sur une case vide, le joueur effectue une action de mouvement qui permet de se déplacer d'autant de cases que sa caractéristique. Sélectionne une case vide et appuie sur clic gauche pour t'y déplacer. Bon, on va choisir quelqu'un d'autre alors parce que lui, je veux qu'il prenne le ballon. Ah un... voilà. Un déplacement de PD, ça c'est fait. Ok. Tous les joueurs peuvent aussi se déplacer d'une ou deux cases supplémentaires. Les cases avec les dés, on appelle ça mettre le paquet. N'en abuse pas car ton joueur peut tomber à terre. Donc si on va par là, par exemple, bah déjà mettre le paquet, vous voyez 83%, 83%. Et en plus, il faut esquiver à 67%. C'est très dur de passer du coup. Pour désélectionner un joueur, ouais, ça c'est fait. Allez, on va prendre la balle. Ah, j'ai un pourcentage. Il a récupéré le ballon. Hip, hip, hip. Hourra ! Ouais, pip, hip. Maintenant, ton seul objectif est de l'emmener dans la zone de leur but. Peut tenter. Non, on va pas tenter de passer. On va aller par là, voilà. Et allez, on va dégommer un peu du Zwangmeyer. Le blocage a pour but de stopper brutalement un joueur adverse. Il est impossible de bloquer avec un joueur déplacé ou relevé. Sélectionne l'adverse, serre au contact de ton joueur et appuie sur clic gauche pour bloquer. Hein? Pour bloquer? What? Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est pas très grave. On va le défoncer, voilà. Hop là. Et 2-1. Lui aussi, on va le défoncer. Et de deux. On va défoncer celui-là. Alors le blitz, voilà. Le blitz permet à un joueur de se déplacer et de bloquer. Cette action ne peut être effectuée qu'une fois par tour. Sélectionner un adversaire éloigné et appuyer sur clic. Donc en fait, c'est se déplacer et bloquer. Bon voilà. Bloquer, c'est défoncer les gens apparemment. Bon, c'est pas aussi facile normalement. Là, c'est juste le tutoriel. Donc on défonce tout le monde parce qu'on est comme ça.
Voilà, on va au contact, nous, on est des gens comme ça. Voilà les copains. Hop, et fin du tour. C'est maintenant à l'équipe adverse de jouer. Comme tu peux le voir, Blood Bowl est un jeu tour par tour. Chaque équipe joue l'une après l'autre. C'est lui qui a le ballon, hein, ouais. Ça cherche clairement le corps à corps. Pour relever un joueur au sol, sélectionne-le et fais un clic gauche. Ouais, ça très bien. Hop. Ensuite, on va. Il va falloir avancer là. Alors, défonce-le, lui. Hop. Et toi. Toi, tu vas avancer. Toi, tu vas défoncer lui. Et toi, tu vas défoncer celui-là. Du corps à nous. Je sens que ça va me plaire. Comme ça, lui, il se met ici et il est un peu protégé. L'équipe forme une cage autour du ballon. Pas bête comme technique. Eh ouais, je suis pas si bête que ça. Hein. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis. Voilà, on a fait la cage et on va pouvoir avancer comme ça. Le joueur vedette et le capitaine des Rivers, pas plus que Zod la bête. On devrait déjà devoir arracher la tête des trois quarts adverses. À quoi ils sont plus là. La violence a été sérieusement revue à la baisse. Où est-ce qu'ils sont? Tu n'as pas entendu la dernière? Depuis le flop commercial de son parfum Fragrance de Griffe, personne ne l'a vu de toute l'intersaison. D'après la rumeur, ses investisseurs veulent récupérer leur mise. Je l'ai essayé ce parfum. L'odeur était insoutenable. Et pourtant, je suis un ogre. Je préfère me rouler dans de la viande de gobelin plutôt que de porter ça. Et Zug, pourquoi cette absence? Eh bien, si on en croit la rumeur, il est forfait pour toute la saison. Oh là là, j'ai pas de chance, moi. Nous dissuader de rempiler. Mais peut-être que le retour d'Helmut Zwimmer changera la donne. Ça ne me plaît pas, Jim. Ouais, on les défense. Les Rivers, c'est justement de regarder Zug mutiler ses adversaires. Les mutilations... Y'a que ça de vrai. Ils font un mano à mano, Bob. Pas pour ça. Il faut se rapprocher jusqu'à sentir la laine de l'adversaire et voir les insectes coller entre ses dents. Non, pas là. Pas là, pas là. Ouais, ici, c'est très bien. Allez, on va aller là. C'est un peu éloigné, mais bon. Non, je veux pas faire une passe. Qu'est-ce que... Lui, je vais le réveiller. Lève-toi. Allez, debout, feignant. Toi, tu défonces lui. Ça, c'est fait. Toi, tu vas là. Bon, il va se faire défoncer, mais c'est pas très grave. Le combat paraît inévitable. Parce qu'en fait, si on jette le joueur là-bas, il se fait défoncer. Donc, mais je pense pas que pour le tutoriel, ça marche. Toi, tu défonces lui. Voilà. On les défonce tous. Hein. On s'en fout. Et toi, t'avances... Est-ce que je tente? Allez, on va tenter. On va mettre le paquet. Au moins, on voit ce que ça fait. Ah, j'ai réussi. Magnifique. Et on peut faire fin du tour. Aïe. Même pas mal. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ok, il avance. Là, il se lève, tranquille. Il peut pas me le défoncer. Pourtant, il a le blitz, hein, lui aussi, mais bon. Lui, il me défonce pas non plus. Ok, il se relève, tranquille. Pour l'instant, rien de dangereux. Oh ben, écoutez. Je crois qu'ils vont me donner le point. Hop là, touchdown. Allez, pipi. Et ouais, les gars. J'en connais qui ferait bien de se réveiller. Et voilà, les gars, ils ont abandonné après un touchdown en 3 tours. Sérieux. Des tafioles, moi, je vous le dis. Hein. Oh bah, tout, c'est déjà fini. Les sas sont dégonflés, qui... Les Rivers gagnent par forfait. Donc, par forfait, on gagne 2 touchdowns d'avance. Donc 2-0, hein, puisqu'ils avaient 0.
Mais c'est parfait tout ça, voyons. 2-0, j'ai gagné, ok, très bien. Qu'est-ce que c'est, statistique? 100% possession de la balle, magnifique. 33% occupation de son terrain, 66% occupation du terrain adverse. Ok, bon, fermé, on s'en fout. Ça alors, j'aurais tout vu. Les Rivers ont gagné. Eh oui, ma gueule. Mais ils peuvent dire merci au saint. Oh, 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 flash spécial, qui... Bob. Quoi? Gigi a viré quoi tous les joueurs des Rivers. Tu parles. Ah, merde. Que Griswold fasse le ménage avant le début de la saison 2513 n'a rien d'étonnant. Il était temps même. Une victoire par forfait sur des tocards comme les Saints n'y changera rien. Bref, si tout l'effectif a été... Ah, les gars, ils ont gagné, ils se sont fait virer, quoi. Je vais aller chercher ses recrues, Bob. Gigi est un vieux singe, Jim. Si j'en crois mes contacts, il va piocher ses nouveaux joueurs parmi les rebuts de... Reckland a un incroyable manque de talent. L'émission de télé-réalité sur Jabal Vision. C'est plutôt risqué comme stratégie, Bob. Risqué, Jim? Des Snotlings auraient fait mieux. Et pourquoi on fait ça, alors? Merde! Ils étaient bien, mes joueurs! Il est temps de recruter une nouvelle équipe et de signer avec un sponsor. Allez, c'est parti. Alors, du coup, là. La trésorerie de l'équipe est en haut à droite. Te permet de monter ton effectif. Ok, alors, on va acheter un joueur. Tu t'apprêtes à recruter une équipe pour redorer le blason des Reckland Rivers. Une équipe est composée d'au moins 11 joueurs. Essaye de monter une équipe équilibrée avec tous les types de postes. Par exemple, 2 receveurs, 1 lanceur, 2 blitzers, 1 ogre. Et un maximum de 3 quarts. Ouais. Mais en même temps, 3 quarts. Il y en a 3 des quarts. Donc, ouais, c'est logique. Alors, on va prendre. Du coup, 3 quarts. What? Il a pas de tête. Ah oui, d'accord. J'aime pas ta gueule. On peut pas changer? Ah si, on peut changer. Ah ah. Ouais, voilà, je veux prendre le papy, là. Ok. Du coup, toi... Ah, le mousquetaire. Allez, hop. Voilà. On va prendre un c'est combien, c'est... Je sais plus. Faut prendre les 4 receveurs. On va prendre un ogre. Merde, j'ai acheté, j'ai pas regardé sa tête. Est-ce qu'il a quoi comme tête, lui? Ouais, rien à voir. On s'en fout un peu. Blitzer. Alors, Blitzer. Bon, après, ils ont tous la même tête. Hein. C'est les mêmes que tout à l'heure. Ok. Blocage. On va acheter un lanceur. Quatre receveurs. Bon, on sera 12. 12, c'est bien, non? C'est un bon chiffre, 12. Allez, confirmé. Non, attendez. Je veux retirer un receveur. Voilà. Voilà. Confirmé, H. Comment ce nouveau coach se débrouille-t-il jusque-là, Bob? Eh bien, déjà, il a réussi à aligner une équipe, Jim. Mais ouais, ça, c'est génial. Pour le titre, il y a un pas que je franchirais pas. Vu la situation actuelle de l'équipe, aucun sponsor sérieux ne signera avec vous. Oh. Rprimat X3 nous a contacté. C'est peut-être notre seule chance. Allez vite, Rprimat. Vous devez entretenir votre stade. Alors, signons. Je vais changer. Des fabricants de crème pour polir les cloches? T'es sérieux, là? C'est aussi le nom que les aficionados de Blood Bowl donnent aux équipes qui signent avec eux. Les bon, ben vas-y, allez, prononçons. On n'a pas vraiment le choix. J'espère qu'ils maintenant... ont lu les petits caractères, Bob. Ça me rappelle quand j'ai signé pour devenir immortel. Tu crois qu'on m'avait prévenu pour la soif de sang, la malédiction vampirique et tout ça? C'est pas la police 12, ça, non, alors? Ben non, j'ai pas vraiment lu le contrat. Hein. Maintenant que l'équipe a signé son contrat, nous allons pouvoir démarrer nos matchs qualificatifs. Retourne sur la page de lobby en cliquant sur le bouton retour. Et nous allons jouer contre les Deathhawks. Les Deathhawks. Voilà. Mais ce sera pour le prochain épisode. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu, hein, ce petit épisode de
présentation un peu de la campagne de Blood Bowl 2. J'espère que ce jeu vous plaira parce que moi, il me plaît beaucoup. Merci à tous. Bisous. Bye bye.